Contre Mauer, la camisole avait dû l'exciter un max. Pourquoi ne nous as-tu rien dit sur cet homme? D'accord, je l'ai fréquenté l'an dernier et j'ai perdu le contrôle de la situation. Au point de lui interdire de t'approcher? C'est vrai qu'il me harcelait. Pourquoi tu n'es pas venu me voir, Abby? Parce que, Gibbs, je voulais le mettre à l'écart. Je voulais pas qu'il soit tabassé avec une batte de baseball. Et puis c'était embarrassant. Il avait rien de très reluisant. J'ai vu le site web que ce gars t'avait dédié. www.sensuelangenoir.com. Oui, je sais, c'est glauque, mais ça n'a rien de dangereux. Il se résout pas à ce que ce soit fini entre nous. Et il est pas violent, ce type. Il nettoie les scènes de crime pour vivre, Abby. Je sais, c'est ce que j'aimais chez lui. Mais crois-moi, Gibbs, c'est pas ton homme. Tu vas lui faire une petite visite, de toute façon. Tu peux reprendre mon collier de chien rouge à clous quand tu iras? Retrait gratuit des odeurs de décomposition inclus dans tous les doubles homicides. Je vois pourquoi elle a craqué pour ce gars. Ils ont aussi les mêmes goûts musicaux. Hey! Vous avez caché ma photo? Je retire ce que j'ai dit. C'est bon. Je fais des photos avant et après pour mes nouvelles brochures. Appelez-moi sur la scène de crime et je nettoie le sang des victimes. Je dois nettoyer quoi, hein? Un crime à terre? Un meurtre sur un bateau? J'ai jamais bossé avec le NCIS. Oui, l'injonction contre vous vous empêche de nous approcher, hein? Oui, j'ignore de quoi vous parlez. Si vous êtes encore là à bavasser, c'est parce que je n'ai entendu parler de vous qu'aujourd'hui. L'interdiction de l'approcher, c'était pas nécessaire. Bon, écoutez, c'est vrai, j'aurais pas dû lui téléphoner. Je voulais m'excuser. Vous avez des choses à vous faire pardonner? Oui, j'étais un peu cinglé. J'ai fait une thérapie et j'ai trouvé que je projetais mes propres obsessions sur Abby et que si elle refusait de me voir, c'était pour ça. Et ce que je voulais, c'était m'excuser de l'avoir fait souffrir comme je l'ai fait. Et est-ce qu'Abby a des problèmes? Vous allez me le dire. Oh mon Dieu! Un lieu familier? Ah non, mais sans vous ruiner, je peux vous la remettre à neuf. Hey. Écoutez une seconde. Attendez, je sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, je suis guéri, hein. Je vais bien. Je suis sous antidépresseurs. J'ai une nouvelle copine. Hein. Il te reste plus qu'un alibi pour les deux derniers jours, et t'es le roi. Alors je suis le roi, c'est sûr. Durant la pleine lune, c'est un fichu rame d'âme. Tous les givrés sont de sortie. En quoi la pleine lune te donnerait un alibi? La police ne m'a pas lâché pendant deux jours entiers. Vous voyez... Les effets de la lune...